Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui n'as pas la moindre idée de savoir quoi mettre en ce moment parce qu'un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid et qui préfère te réfugier dans les salles de cinéma, ce nouveau numéro est fait pour toi. Donc, aujourd'hui, en ce numéro consacré aux sorties du mois de février, que dois-tu absolument voir dans les salles? La dernière vie de Simon. Rares sont les réalisateurs français qui osent créer des œuvres ambitieuses, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le genre d'œuvre qui ose aborder un genre intense. Le genre d'œuvre qui cherche à faire en sorte que le voyage du spectateur ne soit pas simplement un petit voyage, mais un instant de suspens où un metteur en scène propose à ce dit spectateur de rentrer dans un univers atypique. Ainsi se pose le long-métrage de Léo Carman, qui nous propose ici une plongée pure et dure dans le genre du fantastique, pour une petite fresque particulièrement savoureuse et enchanteresse, qui nous emporte dans un torrent d'émotions surprenant, mais surtout au cœur d'une œuvre maîtrisée, inventive, constructive et assez jouissive au bout du compte, qui nous rappelle que le cinéma français, c'est prendre des risques. Est-ce que cela peut payer? Ainsi se pose donc un long métrage prenant, fascinant et intense, mais surtout qui sait extrêmement bien comment poser le genre du fantastique. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'agit réellement d'une œuvre indépendante, d'une œuvre qui réussit à faire avec son petit budget des choses absolument fantastiques, à réussir à construire une vraie ambiance, une vraie puissance visuelle, sans pour autant avoir besoin d'en faire des caisses, donnant un peu l'impression que Carman savait exactement comment développer une œuvre hors norme. Car au bout du compte, le long métrage s'inscrit parfaitement dans cette idée de création, mettant en scène avec brio le fantastique, tout en parvenant avant tout à mettre en relief l'humain et la poésie de son sujet. Pour construire une émotion à fleur de peau, une vraie sensibilité visuelle et dramatique qui englobe tout le récit et qui donne cette atmosphère si particulière à ce métrage et qui fait surtout que l'on s'attache à beaucoup de personnages sans avoir forcément besoin d'en connaître trop. Et cela, on le doit à une direction d'acteur totalement maîtrisée par un metteur en scène qui sait exactement dans quelle direction emmener ses acteurs. On sent que Carman a cherché la crème de la crème du jeune cinéma français. Ce qui donne lieu à ce trio de têtes tout simplement fou qui parvient à transmettre énormément d'émotions aux spectateurs, Benjamin Voisin et Martin Carman, qui prennent totalement le cadre en étant charismatiques et justes dans les deux rôles compliqués et principaux, mais surtout la jeune Camille Clarisse, lumineuse et terriblement touchante dans le rôle titre, véritable révélation pour moi de ce métrage. On sent que Carman a souhaité plus que tout construire une œuvre qui se mue, qui évolue dans le temps, qui prend une forme unique en son genre et qui ainsi devient bien plus qu'une simple fresque fantastique ou poétique, mais avant tout une fresque romantique et humaine sur un jeune garçon, sur une vie et sur un besoin de se faire pardonner. Vous l'aurez compris donc, foncez voir La dernière vie de Simon. C'est un film puissant et intense, une œuvre poétique et charmante, un film qui va totalement vous embarquer dans une vraie proposition de cinéma française. Et franchement, rien qu'avec ça, ça devrait vous convaincre de foncer voir le film.